ça. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est pas que j'ai pas eu le temps de faire mon brushing, c'est qu'en fait en automne je garde une certaine distance de sécurité avec mon sèche-cheveux et mon fer à lisser. C'est vital, sinon dans un mois je ressemble à Titeuf en fait. Hein. Bon bah je crois que vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler météo cheveux en automne. Pire saison ever. N'importe quoi ça. Hein. Pas tenir cette petite barrette. Bon. Alors oui, c'est normal s'il tombe par dizaines pendant cette saison, que t'en retrouves partout dans ta douche, dans ton plat de pâtes. C'est dégueulasse, mais ça m'est arrivé la semaine dernière, ça. Alors qu'en été, t'as une chevelure de rêve, ou presque. Alors oui, ça ne vous aura pas échappé, mais les changements de saison entraînent des variations météorologiques, variations de luminosité et de température. Et du coup, nos hormones, ils sont tout bouleversés, en fait. Et les hormones jouent un rôle important dans la pousse et la perte du cheveu. Alors il n'y a pas que ça évidemment, il y a notre niveau de stress, il y a notre alimentation, il y a la qualité de notre sommeil aussi qui entre en jeu. Ça va vraiment pas le faire cette petite barrette, hein. Oh là là, mais non, mais comment je vais faire? Et en été, nos cheveux sont plus forts, ils poussent plus vite aussi grâce à l'intensité du rayonnement UV qui est plus important pendant cette saison. Et c'est aussi une réaction de défense pour protéger le cuir chevelu du soleil et empêcher qu'il tombe par dizaines pendant l'hiver. Et vous l'aurez compris, pendant l'automne, moins de chaleur, moins de lumière et ils tombent comme des petites feuilles mortes. Bon, concrètement, on peut rien faire pour stopper ce processus qui est totalement naturel, mais il y a quand même quelques gestes beauté qu'on peut adopter si on veut limiter les dégâts. Rien ne sert de paniquer, il faut réagir à point. Pas mal celle-là. Il faut renforcer les cheveux, les hydrater et surtout les protéger. Je vais vous présenter tous mes nouveaux petits bébés, cette marque que j'adore. J'ai découvert la marque Virtue il n'y a pas très longtemps et je dois dire que je suis assez bluffée du résultat sur mes cheveux. Alors j'avais très envie de tester puisqu'en fait les produits contiennent de l'alpha-kératine, c'est écrit juste là. Et en fait c'est une protéine qui est entièrement naturelle et qui se rapproche de la kératine que contiennent 90% de nos cheveux. Et tous les produits de la gamme contiennent cette alpha-kératine. Cette alpha-kératine va venir se fixer en fait sur la mèche qui est abîmée et ça va la recharger naturellement donc en kératine, cette fameuse kératine qui s'est érodée avec le temps, c'est normal, et qui font que c'est un petit peu la cata pour nos cheveux quoi. Bon vous avez compris, c'est comme si on mettait de la biafine sur nos cheveux, ça les cicatrise. Bon, on m'a envoyé toute la gamme et en fait j'avais envie de tester avant de vous en parler puisque vous savez que je vous parle que de produits que j'ai totalement validés. Alors ça fait un petit peu plus d'un mois que j'utilise la gamme et je dois dire que je suis assez bluffée. J'ai les cheveux beaucoup plus doux et je les sens aussi beaucoup plus forts. En fait j'en perds beaucoup moins alors qu'à cette saison c'est franchement la cata à chaque fois. Alors ça c'est le shampoing reconstituant qui est vraiment top. C'est un shampoing en fait qui nettoie, redonne de la vitalité et nourrit le cheveu. Alors ce que j'aime beaucoup déjà c'est que l'odeur vraiment... elle est incroyable, c'est dommage que vous puissiez pas sentir à travers l'écran parce que ça sent vraiment très bon. Et ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est que j'ai déjà essayé en fait des shampoings qui sont très nourrissants, mais à un moment on se retrouve avec la racine super grasse, on doit se laver les cheveux 3-4 fois par semaine, c'est juste un enfer. Et celui-là, vraiment, il laisse pas de film gras sur les cheveux, vraiment ça c'est cool. On a les cheveux hyper légers et beaucoup plus doux, donc je vous conseille vraiment de tester le shampoing Virtue, ça c'est le shampoing de la gamme reconstituant. Vous avez l'après-shampoing aussi qui est vraiment top, mais vous voyez je l'ai quasiment terminé en fait. Et même chose, vous pouvez l'utiliser à chaque fois, donc ça permet de démêler et pareil ça hydrate comme il faut les cheveux, donc celui-là aussi top. Et ça c'est une huile qui protège, qui fait briller et qui répare aussi, donc vous en mettez vraiment juste sur les longueurs. Il faut bien secouer le flacon avant de l'utiliser, vous pouvez en mettre juste un petit peu et après donc voilà, bon, si vous voulez vraiment vous faire un brushing, vous pouvez le faire vraiment après, ça va vous laisser les cheveux tout doux. Et il y a la crème de lissage qui est vraiment top aussi, donc c'est une crème qui lisse les cheveux évidemment. Ça adoucit aussi vraiment, vraiment les longueurs, donc vraiment top si vous voulez vous lisser les cheveux juste après. Donc voilà, vous en mettez, moi j'en mets sur cheveux essorés et après je fais mon brushing et ça enlève toutes les petites frisottis. Et ce qui est top aussi c'est que quand il pleut et que c'est assez humide dehors, bah, vous vous retrouvez pas avec plein de petites bouclettes partout. Voilà, je vous conseille vraiment de tester cette gamme, moi j'ai eu un gros coup de cœur. Vous allez voir, c'est vrai que les produits sont pas forcément donnés, on peut en trouver un peu partout. Je crois qu'ils sont dispo sur le site de Sephora, je vous mettrai tous les liens des produits en commentaire. Et puis si vous voulez renforcer aussi vos cheveux de l'intérieur, ça peut être assez intéressant de faire une cure de complément alimentaire. Moi j'en fais à peu près 2 fois par an, au changement de saison, donc au printemps et en automne, et c'est assez efficace. En plus donc vraiment de toute la routine beauté avec les shampoings et les masques. Donc je vous mettrai aussi quelques liens en commentaire, vous en avez aussi sur mon blog des cures que j'ai déjà testées.
Et puis même chose en automne, essayez vraiment de limiter un maximum l'utilisation des appareils chauffants de coiffure, donc sèche-cheveux, fer à lisser, fer à boucler. Bon, c'est pas un scoop, l'hiver approche et du coup dans une autre vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous donne 5 conseils pour mieux vivre cette période. Ce sont des petits conseils que vous pouvez retrouver dans mon livre « Mieux vivre avec le temps » qui est toujours dispo en librairie. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, commenter, activer la petite cloche.